revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Hey, mon passe-mort a coulé. Ben voyons donc. Oui, mon passe-mort a coulé. Passe-mort. Passe-mort. Madame, comment vous appelez ça? Passe-port. Passe-port. Votre passe-port a coulé dans l'eau. Hey, c'est un état, je sais pas, depuis quelques jours, depuis l'émission, le début de l'émission. Oui, monsieur, comment ça va? Ça va très bien, vous? Tiens, merci beaucoup. Comment vont les enfants? Ah, oh, mon Dieu, il y a Brigitte. Brigitte Lahaye. Ah! Comment ça, vous criez de même? Ah! C'est vrai que Brigitte amène des idées assez... La connaissez-vous, vous? Elle a fait les grands succès de mon adolescence. Oui, OK. Je l'ai vue dans toute sa splendeur. Oh! Et je l'ai revue dans mon cervelet. Oh! À chaque fois que je m'épanouissais. Ouais, c'est... Hey, j'aime ça. J'aime ça parce que ça veut tout dire sans rien dire. Ben merci beaucoup. Vous êtes Joey. Ah, merci, madame. Mais arrêtez de me remercier. Embrassez-moi. Ah, mon dos. Détournons. On va détourner. On nous demandera trois bouts dans... On l'a fait. On... hein? Oui, OK. Vous l'avez entendu? C'était beau, hein? Ah! Il y a trois ambulances ici devant le 300... Le 405. Hein? Il y a trois ambulances. Il y a une grosse ambulance. Il y a une moyenne ambulance. Il y a une petite ambulance. La petite ambulance, c'est la police. La moyenne ambulance, ça, c'est les pompiers. Puis la grosse ambulance, ça, c'est l'ambulance. Là, ils ne savent pas. Est-ce que l'animateur au 405 3e Avenue, assez, tranquille, couchez, monsieur, couchez. La langue sortie, s'il vous plaît. Léchez le sol. On a, oui, il y a l'eau, le sol, ce soir, là. On est dans tous nos états primaires, là. La boule, le feu, la boule, les nerfs, puis la poussière. Mordre la poussière. Ça, c'est bon. Alors, on ne sait pas si il est en feu. Ça, c'est les pompiers. On ne sait pas si il souffre physiquement. Ça, c'est l'ambulance. Et on n'est pas, on ne sait pas. S'il ne va pas s'attaquer à tous ces deux structures que notre Québec solidaire... Maman, lâche-moi ça. Notre Québec... notre parti du Québec, que l'on appelle les francophones. Hein? C'est comme ça, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Appelle-le pas, Jacques. OK. Il faut que je le jappe. Ah, mon Dieu. J'ai pas réussi mon cours de jappeux. Bon, mais je vais récapituler mon côté minou. Oh, j'allais dire mythomane. Non, non, c'est pas le mythomane. Non, le mythomane, je connais pas le mythomane. Il n'y en a pas de mythomane ici. Alors, c'est ça, la police, là, c'est pour intervenir si tout va mal. Ils sont armés jusqu'à l'os. Non, non, aux dents. Ouais, mais en haut des dents, c'est quoi? C'est des os, ça, là? C'est des nerfs, là. Fais-toi arracher une dent, tu vas voir, c'est des nerfs. Puis là, tu vas dire au dentiste, hey, tu me tombes, c'est des nerfs. Puis là, quand il va te dire le prix, tu vas dire, hey, arrête, là, ça commence à m'endurcir, là. Là, j'aimerais ça, à un moment donné, là. Tu sais, tu vas voir le dentiste. Il t'arrache les dents. Ou te plombe les dents. Là, tu arrives devant la secrétaire en avant, la bouche tout à fait ouatée. T'es comme René Lévesque. On comprend rien. C'est normal. J'ai la de tout. On l'a fait, ça, c'est la watch. Je suis gelé de la bouche, mais pas de la tête. Il vient de dire qu'il est gelé de la bouche, mais pas de la tête. On le savait. Tout le monde a compris. C'est pas des imbéciles. C'est des gens qui ont des décodeurs. Des décodeurs? Oui, des décodeurs. Décodeurs. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, j'ai de la ouate. Plombé en haut, en bas, arraché, à l'union.
Ben là, il veut m'arracher de l'argent. Peux-tu continuer? Ben, je vais continuer, oui. Alors, il veut lui arracher de l'argent. Mais lui, le sournois, s'est dit, ils peuvent rien faire, là, hein? Je vais me sauver, moi, là, là. Puis là, il prend ses jambes à son cou, il colle sa prothèse, il visse sa tête, il arrache le bras de l'acoustique qui fait semblant de « Oui, je vais payer », parce qu'il parle à quelqu'un qui fait semblant de « parce qu'il n'a pas signalé le, bon, on n'a rien compris. » Mais il ne veut pas se sauver. Parce que c'est un ancien servant de messe. Il sait que même s'il n'y a pas d'enfer, même s'il n'y a pas de Dieu, mais pour lui, pas pour la réalité c'est autre chose, pour lui, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Mais quoi que, quand il regarde en haut, là, c'est, pour lui c'est le ciel. Là. Mais quand quelqu'un meurt, ah, ça va au ciel, ça va au bout, c'est fini. Là. C'est la noirceur totale. Là. C'est décor ta vie en version nocturne, tu fermes les lumières. Là. Ça ne sert à rien de peinture pas ma Georgette, peinture pas, il n'y a rien à voir. Même il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à toucher. C'est l'arrêt sur image perpétuelle. Là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que là, j'ai dit tu veux te sauver parce que tu t'es fait tout refait refait la bouche. Mais ton petit côté servant de messe de l'époque, là, quand tu avais 11-12 ans, te dit. Ah, c'est pas beau. Ben, t'as pas une maudite scène, qu'est-ce que tu fais? Ah, écoutez, j'ai tout ça dans la bouche, là, mais si vous voulez, je peux laver le plancher, je peux divertir des enfants, regardez, je peux divertir des enfants, hein? Arrêtez, vous faites peur! Oh, non. Vous allez appeler la police. Puis là, toute la police, puis les pompiers, puis l'ambulance de ACKRL descendent. Tous ensemble, en chantant. On va le chercher, on va le coffrer, on va le chercher, on va le coffrer, on va le chercher, on va le coffrer, on va le chercher. Et enfin, enfin, on va le coffrer. Tadadé. CKRL, cultive tes goûts.